Viet et Dobro Pachalavat sur la chaîne Will Mastro Reaction. Bienvenue. Ah, je le répète, mais quelle andouille. Nous sommes le vendredi 14 avril, et nous allons nous diriger, comme vous venez de l'entendre, en Russie. Et là, franchement, je suis en train de regarder. Je regarde, finalement, c'est ça qui est bien avec YouTube, c'est que je regarde les gens qui ont été, enfin, les récurrents qui ont été les plus lointains traités. Donc là, effectivement, le plus lointain traité, bah, vous allez l'entendre, c'est un homme russe. Et je vais me répéter, mea culpa de notre ami, vous venez de le voir, j'ai fait une fausse manip, de notre ami Grigory Leps, qui au départ, je trouvais ce chanteur, ouais, qui avait pas forcément, il avait fait le duo, mais je trouvais que Maxime Fadev était mieux. Mais non, finalement, il me file des frissons. Il a une façon de chanter absolument énormissime, ce chanteur. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Grigory Leps, n'hésitez pas, je vais mettre en haut une fiche avec sa playlist de la chaîne et sa chaîne YouTube. Et en cas où ça soit bloqué, n'hésitez pas, la première ligne de la chaîne, la première ligne de la description, c'est la vidéo sur laquelle je vais réagir, et la deuxième, c'est la chaîne YouTube de l'artiste. Et on va partir avec une chanson qui s'appelle Unsaid, je crois. C'est pour l'anniversaire du fondateur du groupe, d'un groupe russe, je ne me rappelle plus, qui s'appelle Igor Matvienko. C'est pour son anniversaire qu'il chantait cette chanson Unsaid. Donc on va y aller, bonne écoute à vous, et on va prendre du plaisir parce que j'adore ce chanteur. C'est franchement, j'adore. Allez, à tout de suite. Если б можно было бы всех простить,
Спасибо. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Franchement, si vous avez aimé, mettez un pouce. Moi, je kiffe. Va falloir qu'on m'explique. Elle est spécialiste du chant, comme son Bernard, comme son Robert. Expliquez-moi comment il fait. Il n'a pas la bouche beaucoup ouverte et il monte. Il donne des sons de ouf. Son... Et à la fin... Mais... Moi, j'y arrive. Mais c'est toute son interprétation. Il vit tellement le truc. Il le vit avec les tripes, ce mec. Pardon. Oui, ce mec, il le vit avec les tripes. Franchement, je kiffe. Franchement, Grigory Leps, n'hésitez pas. Poussez, poussez. Franchement... Alors là, je suis sur le cul, ce gars. Franchement, faut que la vidéo, elle pousse. C'est un... Ah non, je suis impressionné par ce qu'il est. Parce qu'il est, c'est un ancien chanteur qui est capable de faire de ces dingueries, je trouve. Ben, il doit être content que, pour son anniversaire, il lui ait chanté cette chanson que j'ai trouvée absolument kiffante. Kiffante, franchement, c'était super agréable. Donc, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé. Mais franchement, là-dessus, Grigory Leps, chapeau bas, monsieur, chapeau bas. Franchement, alors là, je suis. J'adore. Je suis désolé, j'adore. C'est. On va dire que j'aime beaucoup de monde, mais c'est vrai. Diana, c'est un autre style. Grigory Leps, c'est autre chose. Shaman, c'est autre chose. Dimash. Mais tout le monde me touche à leur mesure. C'est ça qui est bien. Donc, on va se retrouver demain, vendredi, pour les deux prochaines vidéos. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de tous ceux que vous pouvez aimer. Et on se retrouve demain. Je vous aime très fort. Merci aux plus de 14 400 de gens qui me poussent. Bon, par contre, j'ai plein de bleus. Arrêtez de me pousser autant. Ou poussez-moi un bon coup à 100 000. Non, je plaisante. Allez, à demain. Je vous aime très fort. À demain. Prenez soin de vous.